Dans l'actualité, ce soir, la visite de la résidence présidentielle à Cocody, une semaine jour pour jour après le départ de Laurent Gbagbo, le Premier ministre Assoro Guillaume s'est rendu ce matin sur place pour faire l'état des lieux après le 11 avril dernier. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. C'est une résidence complètement méconnaissable que le Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro a visitée ce lundi 18 avril 2011. Pour le chef du gouvernement, après les durs combats qui ont permis l'arrestation du président sortant, il était plus qu'important de se rendre à la résidence présidentielle pour faire l'état des lieux. Véritable sentiment de gâchis. Vous savez, à M. Gbagbo, la communauté internationale a proposé ce qu'elle n'a pas proposé à Ben Ali, à Moubarak. Vous savez que Obama lui avait proposé l'asile doré aux États-Unis. Le président Sarkozy lui avait proposé l'asile doré en France, alors que Ben Ali n'a pas eu cette chance, ni cette opportunité. Moubarak, personne n'en voulait. Alors, quand on a de telles opportunités et une si grande chance, se retrouver dans ces conditions, pour moi, c'est un énorme gâchis. À en croire le Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, vu l'état de destruction totale de la résidence, il faut se donner le temps nécessaire pour sa réhabilitation.